Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2 en coop avec Katox. Salut Katox! Salut! Et on s'était donc quitté sur un petit cliffhanger, il fallait qu'on fasse la quête de campagne. Quête de campagne, on va donc gérer un autarque. Il faut qu'on se le bouffe, d'accord? Donc on sait pas trop ce qu'il a par contre. On sait ce que nous on peut avoir. Donc là on a une flotte avec deux biogriffus et trois croiseurs. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on leur fasse mal quand même. Hein. Ouais. On a 952 sur 975 et on a quasiment le double de renfort, donc je pense que ça devrait le faire. Alors, voyons voir s'il y a une petite ciné. Ah. Espérons. Fond d'écran de chargement avec les grosses saloperies de verre tyrannide là, très très classe. C'est pas probablement pas le même, mais. C'est un raciste. Les Eldar, quoi. Ok, donc bon bah du coup, comme d'hab des Eldar. Hein. Comme d'hab, on va à la guerre. Il y a que deux biogriffus, du coup je te file un truc avec des tentacules, ça te convient. Ah quoi qu'attends, il y a deux vaisseaux amiraux. Je vais garder le Spire et je vais te filer celui-là plutôt. Comme ça on aura chacun un petit vaisseau amiral. N'oublie pas de redéplacer, il y a un qui est sur ouais. Le côté. Hop. Alors du coup, ouais, je vais même pas regarder la map, il n'y a pas l'air d'avoir de tourelle. Ouais, bon, map assez classique. On fait quoi? On se bat au centre ou si on doit les poursuivre, je pense que c'est le plus adéquat. Ouais, comme ça on les coince plus vite dans. Ouais, si on se met dans un coin, ils sont capables de poursuivre jusqu'à l'autre bout. Bon, on essaie d'avancer jusqu'aux premières nébuleuses. Enfin, celle qui est ici, là, comment on fait déjà? Ça, voilà, celle qui est là. Ouais. Allez, c'est parti. Ah oh, ils arrivent par le côté. Ok, très très bien. Changement de plan, on se réoriente. Je me replace vers ici là. Ah, ils arrivent par tous les côtés. Ah la vache. Alors, détruisez ou mettons en déroute tous les vaisseaux. Fonce sur... Je vais attaquer ceux qui viennent sur la gauche, il est tout seul donc... Ouais, ça, c'est ce que je voulais dire. On va se caler vers celui de gauche. Parce que moi tout seul, je ferai pas le poids contre tout cela, quoi. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on se permet une petite accélération? Est-ce que j'ai des sports? Non, j'ai pas de sports dans cette flotte. Ah, ils vont trop vite, hein. Je vais les charger. Faut qu'on au le moins chope détecter ce que c'est. Si c'est un petit truc juste pour nous... Allez. On y est presque, il est presque dans la zone. Oh l'enfoulure. Il est trop loin. Abusé. Si c'est bon, je peux faire un balayage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un gros. C'est un gros? Je vois rien. Bah, il y a une toute petite masse. C'est un débris. On dirait un débris, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette. Ils nous ont envoyé plein de débris à la tronche et dans les débris, t'as les vaisseaux. Ouais, et il y en a d'autres qui apparaissent derrière là. Les petits. Ils sont déjà super chiants à choper et on leur en plus. Ils nous envoient des débris quoi. Par contre, dès que tu l'as scanné, ils bougent plus. C'est ça. Bon, je vais pas envoyer trop de monde, je vais envoyer juste le petit Vanguard voir ce qui se passe derrière là. Faut en tout cas qu'on reste groupé quoi. Ça. Ok, c'est encore un débris qui arrive derrière, très très bien. J'ai été identifié, putain. Et d'où? Ah!
Demi-tour, on va aider les potes. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de vortex là? Je sais pas, mais je me suis barré de là. Tu m'étonnes. Oh putain. Wow. Comme tu te fais dépioter la tronche. Bonjour, excusez-moi. J'ai pas signé pour ça, moi. Je leur envoyer des petits vaisseaux histoire d'eux, mais. Histoire de gérer les escadrilles là. Cette patate les gars, calmez-vous, calmez-vous, détendez-vous. Qu'est-ce que tu fais toi? Fais pas ça, ne fais pas ça, ne passe pas dans cette saloperie. Ok, ça a disparu, parfait, charge. Charge. Ok, mon vaisseau il va crever, bon. Ouais, on va crever de toute façon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, on va mourir. Toi je vais te choper avant que tu te barres du coup, puisque t'as eu la bonne idée de t'approcher. Putain, comment il me dépop. Mais c'était violent quoi. C'était bon. Une violence monstre. Un de moins déjà. Ah la vache. Ah mais on a des renforts qui arrivent. De où, par où? On peut activer nos renforts. Ah ouais. Je vais les mettre en attaque auto histoire qu'ils se bougent. Hop là, envoyez-moi des trucs là-dessus. Tiens, juste assez pour te faire un assaut, ça t'apprendra. Putain, ils sont arrivés vraiment de partout. Ah ouais, ouais, c'est de la violence, hein. Je suis assez d'accord. Oh. Puisque vous avez rempli l'objectif facultatif, les renforts tyrannides ont pu rejoindre la bataille. D'accord. Bah heureusement qu'on l'a fait. Ouais. Bon, les 9 secondes, évidemment, il va faire son... Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Bon, faut essayer de se regrouper, je crois. Parce que sinon... On peut essayer de faire jonction avec les autres, hein. Je vais lui envoyer un petit boulet à lui là. Boum! Tiens, plus d'armes, ça t'apprendra. Oula. Oh putain! En plus ça attaque directement la coque, hein, même pas le bouclier hein, du tout. Viens là toi. Tu peux essayer de te casser, hein. Je te choperai. Je te traquerai. Lui il reste plus que 9 mecs. On va lui balancer un petit ouais, assaut dans sa tronche. Ah, on a des renforts qui arrivent par là, dis donc. C'est cool ça. Plutôt cool, ouais. Allez, mange tout ça dans ta tronche, ça te fera les pieds. Ah. Où je lançais les missiles, du coup t'as doublé les missiles. Ah la vache, j'avais pas fait gaffe que t'avais lancé l'attaque. Ah ça c'est le problème des... Bon ça c'est un biogriffu, je te le laisse. Ça c'est un projectile corrosif, t'as chargé avec un projectile corrosif quoi. Bah je voulais juste passer un an pour le faire un assaut puis... Et puis voilà. Et puis boum quoi. Voilà, et puis paf le chien. Je t'ai laissé le biogriffu du coup. Nice, bon. Ok, un petit balayage pour se débarrasser des... voilà, des tracés de... les petits drones là qui se traînent à deux à l'heure... ils arriveront quand ils arriveront, j'ai envie de dire. On se propose qu'on reste là et qu'on se...
regroupe. Le biogriffu qui reste, à qui reste 11 PV, je pense que je vais le replier. Ouais, je vais désactiver les attaques automatiques pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Hop, voilà. Même toi, tu vas te replier aussi d'ailleurs. Ah putain, l'enfoiré, comme il t'a chopé! Heureusement, il y avait le mien qui arrivait derrière, quoi. Ah, c'était le dernier. C'est le tout dernier en plus. C'est vraiment le tout dernier. Ah, l'autre qui se planquait en embuscade pour buter les vaisseaux qui s'enfuient, quoi. Saloperie d'Eldar. Bah, ils sont morts. Ouais. Du coup, ils ont décédé. Ça leur apprendra. Et c'est tant mieux. Ok, alors on va voir ce que ça fait du coup. Est-ce qu'il va se passer des trucs, j'imagine. Ouais, on s'en est pas trop mal tiré de cette bataille, mine de rien, face aux Eldar là. Ouais. On a une flotte qui a crevé, un vaisseau amiral qui a crevé, bon, c'est pas trop grave. Sinon, ça va. De toute façon, que c'était un croiseur léger. Ah non, c'était un croiseur, ok. Bon, bah tant pis. On a perdu un croiseur, c'est pas la mort. I can feel them crawling through the void, their claws scratching at my thoughts. This is a setback. We have endured far worse. We will do so again. No, we cannot walk this path alone. Pride has been a dagger in our heart too long. Extend greeting to our allies. Petition for their aid. As you will it. Ok. Alors, on gagne quoi? 750 points de renommée, 400 points de biomasse. Et une nouvelle flotte sera déployée à l'abysse de Calotte. Ok. Du coup, on a 9 flottes sur 8. Et maintenant, on a l'événement signaux parasites peut se produire lors des batailles. Ah, c'était des signaux parasites en fait, le truc là. D'accord. Bon. Ok. Ok, le seigneur grand amiral Spire n'a toujours pas répondu à l'appel de l'aide d'Ivren et des Eldari qui se trouvent seuls face aux Tyrannides. À demande d'Ivren, Eldratin Von Stinger a envoyé une flotte dans le système Terrak pour retenir la marée. Zap them from space, then get to crumping once their fortresses are gone. That'll take too long, and I want a proper fight. We'll crump them, walls or not. Ok. Et on a aussi les Warboss Orcs qui sont tellement occupés à se quereller sur la capture de Vagara qu'ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les systèmes Scarus sont plus grand souci à se faire que la menace Orc. Donc on a du coup deux missions. Et on a une flotte qui est tombée à 95 quoi. Ah putain. Et qui a plus de chef. Ok. Ah, alors du système Scarus n'est pas pour déconner. Ah énorme. Oui, c'est ça pique. Waouh, la vache, Scarus, ouais. Et il y a les Nécrons qui sont entrés dans le jeu. Ouais, j'avais vu qu'il y avait un autre symbole de menace là, et c'est les Nécrons, ok. Purée. Ah ouais, Scarus, c'est la violence, hein. La vache. Et du coup, ils peuvent tomber directement sur Médusa. Ok, très très bien. D'accord, donc celui qu'on... Ici, on a Caliban. C'est celui qu'on doit capturer. Orphia, Caliban, Terrak. Ok, très bien. Et donc la flotte qu'on a gagnée
Ok, on a une petite flotte à 267 qui est apparue. Voilà, pourquoi pas. Hein. Bon, déjà ça. Avec un canon à bave et un creep psychique dans un croiseur de combat. Oh bah, pas mal. Pas mal, pas mal. Hein. Par contre, ouais. Elle est un peu dans le mal là, la flotte. Alors, déjà, un amiral. On n'a aucun amiral disponible, donc. comme ça, c'est fait. Bon, ça va, on a deux tours pour se préparer, donc on va pouvoir l'envoyer se faire réparer en speed. Ok, bon. Une bonne chose de faite. Ouais, une bonne chose de faite. Donc le niveau de menace est retombé à zéro, enfin le niveau d'urgence est retombé à zéro. Par contre, ils ont tous repris un petit peu de menace, notamment le chaos là. Faudra quand même qu'on voit si on peut pas se débarrasser de profondeur d'obsidienne, hein, parce que... Bah... Non. Bah en théorie non, mais on peut débloquer le chemin contre des plans, donc c'est qu'on doit bien pouvoir y faire quelque chose quand même, quoi. Avec l'archéochant de Geller, là. Après, ce que tu peux faire, c'est... Bah ça vaut encore le coup, c'est laisser une flotte constamment dessus, quoi. Ouais, ça a été modifié le texte de l'archéochant là. C'est marqué que le système ne peut être ciblé par aucune invasion ou assaut à l'exception des Eldari et des invasions narratives. De plus, les nuages de Spormine retardent les invasions et assauts d'un tour additionnel. Ce système s'applique que le système soit dévoré ou non. Ouais, on peut le choper quoi. C'est quoi les invasions narratives? Bah je sais pas, peut-être que si on débloque la voie avec deux plans de bataille, il se passe un truc. Bah, j'ai bien envie de tenter hein. Parce que c'est une sacrée épine dans notre pied cette saloperie quand même. Allez, je clique dessus. Ah bah ça a rien fait. Ok, très bien. Bah si, maintenant tu peux y aller. Maintenant je peux y aller. Bah je vais lancer des flottes Vanguard pour la peine. Et puis au pire il sera pris par un Space Hulk infecté. Avec tous nos sous, on peut peut-être lancer quelques petits trucs affaiblissants à droite à gauche. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le moment. Alors, on peut en envoyer un à Terrac par exemple, ou à Caliban directement, derrière. En soi, il y a 4 planètes dans ce système, tu peux quasiment lancer 4 quoi. Ouais, c'est vrai, au prix que ça coûte en plus. Allez, c'est parti. Ça les occupera un peu. Bon, par contre, Scarus, on verra plus tard. En plus, il y a un truc qu'il faut débloquer le chemin avec des plans de bataille. Où c'est Scarus? Ouais, l'énorme truc au milieu, là, le Thracian Primaris. Ah ouais. Après, c'est pas un objectif, donc bon, c'est pas... Mais ça fait quand même une sacrée épine dans le pied aussi. Ah, et les Nécrons, ils sont là, oui, je les avais pas vus. Putain, ils ont la classe sur la carte de campagne, la flotte Nécron. Hein. Mmh. Ouais. 14 systèmes, bon, la vache. C'est pas... 13 de niveau de menace orc. Ok. Ouais, je pense qu'ils vont bien se taper dessus gaiement hein, dans ce système avant qu'on y arrive. Ce qu'il faut juste qu'on fasse gaffe, du coup, c'est Médusa, quoi. Parce qu'elle est il est un peu à poil Médusa quand même. Ok, bon bah je propose un petit tour de récup. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. D'accord, donc là il se renforce. C'est pas ça qui arrêtera notre Space Hulk infecté de toute façon. Ok, il fait une petite tourelle là. Ah, ici il a fait une forteresse. Ok. De toute façon, c'est un système où on n'est pas censé y mettre les pieds. On est censé laisser faire les Space Hulk. C'est ça. Ok, donc là ils se baladent, ils vont aller taper sur les humains. Alors, bon bah déjà cette flotte, ce qui est fait c'est qu'elle va là. Et celle-là. Menace orc 13. Là. Ouais ouais la menace orc c'est le drame. Hein. Alors, il nous faut un nouveau
commandant, champ de sport, boulet de démolition sur un croiseur de combat. Ça me paraît pas mal ça. Rôdeur du vide ou champ de sport sur un croiseur. Sinon, moi non, on va prendre celui-là. Yep. C'était une belle flotte, de toute façon celle-là, il y a des biogriffes dedans. Ah, j'avais pas fait gaffe, ça doit être nouveau aussi ça, le... Quand tu contrôles le secteur là, tu sais, dans... t'as les systèmes et t'as les systèmes sous contrôle X sur X là. Et du coup maintenant c'est marqué, quand tu contrôles le secteur genre au niveau 2, ça réduit la menace de toutes les factions, ça c'est déjà le cas. Mais par contre c'est marqué, lors d'une victoire, votre réserve de ressources est restituée à hauteur de 10% de la valeur de vos vaisseaux détruits. Ça c'est plutôt cool. Bon bah on est plutôt bien hein, pour encaisser l'arrivée de l'Imperium je pense. Pourrait détruire ce nuage de spores et... Oh, c'est pas une priorité. En plus il va se répandre sur les systèmes adjacents. Ça fera toujours un petit peu de soutien. Bon par contre la flotte nouvelle qu'on a eue à l'Abysse là, pourrait pas l'envoyer à un endroit où elle gagnerait des... de la thune. On pourrait l'envoyer à Shimalomas pour gagner de la thune. Hop. Et d'ailleurs, faudra peut-être qu'on s'occupe des orques qui arrivent à Shimalomas, non? Oui, faudra. Ou on s'en fout et on laisse le chaos faire. Bon, on laisse le chaos faire, peut-être. Ouais. C'est pas un monde couveuse et tout, donc c'est pas très gênant. Alors, par où on commence? Donc on a dit, en haut, on s'en occupe pas du coup. Il faut qu'on encaisse les 1200 là. Et après, on retourne à Médusa du coup, au final. Hein. Et on mène l'assaut sur Scarus. C'est un peu l'idée. Yep. C'est assez, on est assez dirigé dans Scarus quoi, on n'a pas trop le choix des ouais. Planètes quoi. Ouais ouais, il y a un seul point d'entrée et puis après voilà quoi. Note que si on va vite, on chope une planète et puis on chope deux derrière. Direct. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'envoyer de faire un petit crochet par Bellis Corona pour nettoyer l'Imperium dans notre dos là en speed? Avant qu'il commence à faire des flottes et qu'il nous fasse chier. Ah bah attends, non, ouais. Je vais foutre une force vanguard dessus, je suis con, voilà. J'aurais dû le faire tout de suite. C'est vrai que... Pour les épines dans le pied comme ça, faudrait pas se faire chier. Hein. Mmh. Ok. Ah, et en fait, le bonus de contrôle, ça change selon les systèmes. D'accord. Genre à Médusa, ça réduit le nombre de troupes des vaisseaux ennemis. Et à Shimalomas, ça réduit le coût des forces Vanguard. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Et puis la prochaine fois, on gère la petite flotte là, hein. Ouais. Et on se lance à l'assaut de la suite. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Une belle petite bataille un peu bordélique sur Elord, mais ça s'est bien passé. On a survécu. Si vous avez des idées de stratégie pour qu'on gère la suite, eh bien n'hésitez pas à nous les donner. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.